C'est une intervention un peu particulière. 1,5 tonne de nourriture pour cochon à monter sur un plateau enneigé. Il y a une épingle qui est un peu difficile à négocier. Avec les 1,50 m de neige qui commencent à peine à fondre, il faut employer un outil un peu spécial en expérimentation, le M113. Véhicule blindé de transport de troupes inauguré au Vietnam, plébiscité pendant la guerre froide, indispensable en Irak. Mais là, le théâtre des opérations est hors norme. Le blindé a du mal, avec la pente additionnée à la neige. Là, il y a un problème, il y a trop de neige, donc il n'y a plus d'un mètre, 1,50 m, là, et on n'arrive plus au niveau angle d'attaque. On va dégager un peu pour pouvoir continuer notre cheminement. Alors, on envoie l'infanterie pour préparer le terrain. Le blindé de 9 tonnes prend son élan. On ne voit ni le chemin, ni le ravin. Mais finalement, ça passe. La progression continue lentement, très lentement. Il faudra 1h30 pour rallier enfin l'exploitation à 1 km de là. Les 150 cochons sont affamés. L'éleveur va sauver son cheptel. Pour le moment, là, ça va durer un mois. Comment voulez-vous qu'on monte ? Si j'avais pas les pompiers, on était là, merde. Enfin, maintenant, c'est fait. Merci aux pompiers, je vous le dis. Sinon, là. Le commandant de l'opération va tirer les enseignements de la mission. Une mission réussie, mais qui aurait pu être plus efficace en modifiant un peu l'avant du véhicule blindé.